C'était vraiment une grande joie, une belle satisfaction du devoir accompli. On est venu ici avec de belles ambitions. On a réussi par moments à poser notre jeu et ne pas flancher. On a réussi à tenir jusqu'au bout des 120 minutes et il fallait faire notre travail pendant la séance de tir au but. Donc voilà, le devoir est rempli et on se tourne maintenant pour la réception de Monaco dimanche. Dans quel état d'esprit vous étiez avant le début de cette séance? Serein, racontez-nous un petit peu cette ambiance de dingue. Ouais, il faut toujours rester concentré. Après, l'ambiance, c'est autre chose. Voilà, si on arrive à rester concentré sur le terrain et faire attention à tout ce qui peut se passer autour, même si des fois c'est compliqué. Mais ouais, il fallait vraiment rester concentré et accompli. Anthony, on t'a vu très touché après les événements du côté de Bastia. C'est le meilleur moyen finalement de tourner la page, de se qualifier pour les demi-finales? Oui, c'est le meilleur moyen. Après, les choses à Bastia, on va pas revenir dessus. C'est un soulagement, c'est un bonheur, quoi qu'il en soit. Oui, c'est un bonheur parce que c'est vraiment la victoire de tout un groupe. Et ce groupe mérite tout ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Maintenant, il faut rester concentré et essayer d'aller au bout. Maintenant qu'on arrive dans le stade du dernier carré, il faut avoir l'ambition d'aller au bout et de gagner cette compétition. Maintenant, on est tous tournés sur cet objectif-là. Paraît que l'appétit vient en mangeant, c'est le cas? Ouais, c'est le cas, mais bon, l'appétit, on l'avait déjà bien avant. On sait que le gardien est très important pendant la séance de tir au but. Il y en a qui sont plus inspirés que d'autres. J'ai eu la chance de pouvoir en arrêter deux sur les 7 tirés, je crois, c'est ça. Donc voilà, c'était quelque chose d'incroyable et une belle émotion à l'issue de cette séance de tir au but. T'as fait travailler ça quand même, la vidéo, regarder les joueurs, tu savais quelques trucs avec Joël peut-être. Après, c'est la sensation, mais c'est vrai qu'avec Joël, on en a parlé juste avant la séance de tir au but. Il avait son petit papier, donc voilà, ça m'a donné pas mal d'indications et ça s'est avéré, en tout cas pour le 3 quarts, que c'était ça. C'était la guerre, c'est pas mal. Mais Anthony, est-ce que les cris stridents derrière, c'était abominable ces cris, ça gêne pas ça, les gens derrière? Les sifflements étaient compliqués au niveau des oreilles, c'est vrai que tout le monde hein, d'ailleurs, mais voilà, ça donne encore vraiment plus envie de surpasser et d'aller chercher une qualification. Ah, c'est une source de motivation en plus. Oui, voilà, source de motivation en plus, même si la motivation on l'avait déjà bien avant. Ouais, oui, ça donne envie encore plus de surpasser et se mettre du par terre et aller chercher cette qualification.